Alors non, si je fais goûter des produits français à mon copain, c'est que c'est des produits français qu'on ne trouve pas ailleurs. Et aux États-Unis, tu n'as pas les mêmes basiques que l'on a en France et que tu as pu constater dans la vidéo. D'ailleurs, je vais te montrer ce que c'est des basiques ici aux États-Unis. En basique, tu as du maple syrup ou du sirop de sucre et bien sûr de la poudre à pancake. En basique, tu as des golden fish qui sont plus grands que ma main. En basique, tu as des sodas qu'on n'a même pas en France comme le root beer ou le Canada Dry. En basique, tu as des bidons de lait ainsi que des bidons de limonade. En basique, tu as des boîtes de conserve de cinnamon roll. En basique, tu as plein de trucs pour accompagner ton café, dont des creamers qui est honnêtement la base ici aux États-Unis. Du bacon comme tu n'en as jamais vu dans ta vie. Et ouais, parce que les Américains, ils sont férus de bacon et ils en mettent partout. Et pour eux, bah, c'est un basique. Ce qui est basique aussi, c'est ces briques de fromage où tu pourrais carrément tuer quelqu'un avec. Ce qui est basique aussi, c'est des céréales qui sont plus grandes que ton torse. Ainsi que des pots de beurre de cacahuète qui sont plus gros que ta tête. Et enfin, ce qui est basique, c'est aussi trouver des cornichons de cette taille-là.